Infogrames. Ça commence à sentir le sapin, les enfants. La France, ma bonne dame. Parce que c'est un jeu français. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un rétro-test, ça faisait longtemps. Sur cette fois-ci, une adaptation de la bande dessinée de notre cher Peyo. Je veux bien sûr parler des Schtroumpfs, donc adaptation NES. Alors, on est sur la version NES. Il est aussi sorti sur à l'époque sur Game Boy Color. Alors qu'est-ce que je raconte? Non, Game Boy tout court et Super NES. Sachant que la version NES et Game Boy, c'est exactement la même version, sauf que sur Game Boy on est en noir et blanc et c'est un peu plus zoomé. Et la version Super NES, ce sont des niveaux inédits, avec des décors différents, et puis voilà, qui a été faite par une équipe différente d'Infogrames. Et donc le jeu sur Super NES est beaucoup moins bon que cette version NES, qui est vraiment. C'est pas un jeu non plus incroyable, comme par exemple, c'est pas un très très bon jeu comme DuckTales par exemple. Bon, je parle de DuckTales parce que par contre vous allez voir que les musiques sont très très bonnes. Déjà cette reprise des Schtroumpfs qu'on entend en fond est vraiment pas mal. Parce que le compositeur est très très bon des Schtroumpfs. Je ne sais plus son nom, il n'est pas très connu. En tout cas, il a fait un boulot incroyable sur NES. Hein. Aïe, aïe. Enfin, même sur Game Boy aussi. Je crois que sur Game Boy, ça, c'est quasiment la même chose en termes de tonalité. Alors, attendez, on va passer. Et voilà, et on a... Voilà, c'est un jeu Infogrames. Donc, généralement, on met en facile dans un jeu Infogrames. Mais c'est très rare d'avoir déjà le choix de la difficulté. Mais en plus... c'est un jeu Infogrames, mais avec une difficulté très bien calibrée. Et ça, c'est rare. C'est peut-être le seul jeu, le seul bon jeu d'Infogrames. C'est triste de le dire, mais voilà. Oui, parce que cette version NES, comme la version Game Boy, reste quand même voilà, vraiment un bon jeu. Alors, pas un très bon jeu non plus, on n'est pas non plus au niveau d'un Super Mario Bros. Mais on est... Vraiment, c'est un bon petit jeu. Alors je... Et puis assez joli d'ailleurs. Alors on va passer ça. Je vais vous faire écouter le thème du premier niveau. Puis on se retrouve après. Vous allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on a fait la boucle. Très très bon thème. Vraiment. Ah d'ailleurs, le gros problème aussi des Schtroumpfs sur la version Super NES, il y a certains ennemis qui sont invincibles comme les papillons, alors que là, presque aucun ennemi est invincible. On peut leur sauter dessus. Ah, j'ai récupéré assez d'étoiles pour pouvoir faire un niveau bonus. Tiens, c'est pas mal, ouais, parce que les étoiles, ça nous permet de faire ça. Enfin, il me semble. Si on a assez de points à la fin du niveau. Hop! Comme ça, on peut récupérer une one-up qui n'est pas très simple à récupérer quand même, mais bon, on a pu la choper. Sachant que les one-up sont quand même importantes dans ce jeu, hein, parce que. Une fois qu'on a game over, on recommence tout. Depuis, bah. Enfin, on a quand même un checkpoint
Vers l'acte 4, il me semble, l'acte 4, on a le premier mot de passe, et quand on débloque un mot de passe, en fait, le mot de passe après se charge automatiquement. Comment dire, si on a un game over, on recommence au dernier mot de passe, voilà. Ça va encore. C'est plutôt bien réussi. Ça marche plutôt bien, on va dire que c'est l'ancêtre des sauvegardes. Par contre, une fois qu'on éteint la console, évidemment, la console ne sauvegarde pas le mot de passe. Hein. Après, c'est à nous d'écrire le mot de passe pour pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Enfin, plutôt là où on a eu le mot de passe. Parce qu'il n'y en a pas toujours. Il n'y a que deux mots de passe dans le jeu. Un peu comme dans Tintin au Tibet. Sauf que là, évidemment... Bon, là, j'ai loupé. Là, voilà, on a eu un petit niveau sympa, assez original, voilà, en radeau. C'est plutôt sympa. Voilà, acte 3. Sachant que il y a 12 actes, il me semble, dans le jeu. Si je ne dis pas de bêtises. Donc le jeu est assez court. Alors là, je trouve que les décors sont quand même assez jolis. Pour de la NES, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux sur NES. Voilà, par exemple, il y a eu Batman... comment il s'appelle le Batman sur NES. Batman Revenge Joker, un truc du genre. Batman Joker, juste. Je ne sais plus. Qui était vachement impressionnant, celui-là. Ou même le DuckTales. Le DuckTales est un peu plus joli. Après, ça reste quand même, voilà, c'est quand même très fidèle aux Schtroumpfs, voilà, on reconnaît bien que c'est l'univers des Schtroumpfs. Ah, même si les animations sont assez hachées du Schtroumpf, mais ça reste quand même plutôt bien fait, même si, voilà, il a pas une animation, voilà, quand il court, voilà. Ah, c'est un peu comme la version Super NES, parce qu'on peut avancer normalement, comme ça, voilà, donc il avance assez lentement, ou aussi comme dans Super Mario Bros., on reste appuyé sur le bouton B pour courir un peu plus vite. Alors, le problème, c'est que les deux animations ne diffèrent pas. Voilà. C'est exactement les mêmes animations. C'est juste que le Schtroumpf va un peu plus vite. Le sprite se déplace un peu plus vite. Hop. D'ailleurs, on a un air control plutôt bien foutu. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut contrôler nos sauts. Comme ça, dans les airs. Hop. Et évidemment, on est en difficile, donc c'est pas si simple que ça, ce niveau-là. Là, faut faire gaffe à la mouche. Il faudrait essayer de sauter dessus. Ah, purée ! Ah, ce passage-là est très fourbe. Ce passage-là est très fourbe. Ah, faut recommencer. Attendez. Par contre, voilà, vous pouvez voir que le jeu n'est pas très fluide, ça rame un petit peu, mais bon, c'est parce qu'on est sur la version Super NES Mini. Enfin, on est sur émulateur. Et donc, qui dit émulateur dit ramage dans le scrolling. Alors, le scrolling rame un petit peu. Enfin, même les déplacements du Schtroumpf ne sont pas très fluides. Et bon, ça vient du fait que je joue sur émulateur, et principalement voilà sur Super NES Mini. La Super NES Mini ne supporte pas trop les versions PAL. Le problème, c'est que c'est un jeu français, et du coup, on a forcément... hop. On a forcément une version PAL, même si on chope la version américaine, ça reste une version PAL. Il n'y a pas de version NTSC. La Super NES ne supporte pas trop la Super NES Mini ne supporte pas trop la version PAL, car par moment il peut y avoir, bah déjà il y a un peu de hockey au niveau du scrolling, mais aussi on peut avoir quelques petits bugs sonores. Alors j'ai remarqué que ça passe plutôt bien sur les Schtroumpfs, mais voilà, sur d'autres jeux c'est une catastrophe. Heureusement que ça passe plutôt bien sur les Schtroumpfs, parce que bon, à la base je voulais
le faire sur un émulateur PC. Le problème, c'est que sur émulateur PC, ça marche très bien. Par contre, une fois que je capture, ça rame sur la capture, en fait. C'est la capture qui rame. Une fois que... quand on est en train de jouer, ça ne rame pas, mais la capture rame à fond. Donc on le voit que à la fin, quand on a capturé, donc c'est un peu pénible. Heureusement que je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc voilà, je pense que quand je vous ferai des rétro-tests, ça sera que, en tout cas sur NES, ça sera que sur la Super NES Mini. De toute façon, je peux pas capturer ma NES, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de composants adéquats pour pouvoir capturer la NES. Et même, c'est assez compliqué, hein, c'est purée. Tout un programme. Il faut avoir des adaptateurs partout. Moi, je peux pas, les gars, voilà. Moi, j'en peux plus, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc voilà, on est contre le premier boss, Azrael. Je fais n'importe quoi. Faire attention, hop, faut retomber dessus. Il est pas très simple, hein, faut faire un peu attention. Hop, faut trouver la technique. Ah, pour rien, je me suis fait avoir, par exemple. En fait, faut plutôt sauter sur le côté pour qu'il ne ressaute pas direct au même endroit. Sinon, je n'ai pas assez de temps pour me déporter. Esquiver son attaque. Bon, plus qu'un coup, je pense. Hop, nickel. Je récupère la clé pour libérer le schtroumpf. Et là, on a le mot de passe. Voilà, à chaque fois qu'on libère un schtroumpf, on a le mot de passe. On libérera aussi le schtroumpf à lunettes plus tard. Voilà, je sais même pas si... Ah bah, c'est le schtroumpf à lunettes. Bon, d'accord. On le reconnaît même pas, on voit même pas les lunettes sur le sprite. Voilà, infogramme. Non mais en vrai... Ah par exemple, il n'y a pas les araignées. En vrai, le jeu est propre. Hein. Mais il n'y a pas les araignées... si on met en normal, même en normal, je crois. Il n'y a pas tout de suite des araignées ici. C'est que plus tard. D'ailleurs, elles ont vraiment une tête bizarre, les araignées, là. C'est la première fois que je les vois sur mon écran plat. Parce que, vous voyez, de base, je joue à ce jeu sur la télé cathodique avec ma NES. Et c'est vrai que là, ça fait bizarre. Un petit peu. Alors, évidemment, sur une vraie NES avec une télé cathodique, ça rend mieux. Oui. Surtout, le jeu est fluide, il n'y a pas de hockey. Le jeu est très fluide, c'est du 60 FPS constant. Donc si vous avez une NES, hein, je crois que ce jeu est assez facile à trouver. Ah, il n'est pas très rare, et puis il n'est pas très cher. Peut-être qu'on peut le trouver... ouais, il ne cote pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut le trouver dans les... Sur ce truc-là. Je fais n'importe quoi. Dans les 10 euros. À peine, 5-10 euros. Plutôt honnête pour un jeunesse. Ah oui, là c'est un peu compliqué. Voilà, nickel. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, c'est un bon petit jeu, assez maniable. C'est rare pour un jeu infogramme. Encore une fois, un bon jeu infogramme, c'est peut-être même le seul bon jeu infogramme. Bon, là, je me suis fait. Voilà, il y a un petit côté infogramme quand même, hein, les éclairs qui arrivent comme ça. Ah là là, on aime bien les taquiner. Oui, bon, là, par contre, c'est impossible. Ça, je ne comprends pas à quoi sert cette framboise en dessous, là. J'ai même pas eu la one-up. Alors qu'elle n'était pas trop difficile à voir. Par contre, la framboise, impossible, t'es obligé de te faire toucher. Ça, c'est un piège à l'infogramme. Ah bah, comme l'étoile. Je ne vois pas comment tu peux la choper sans te faire toucher. La musique est assez stressante, là. Attention. On sent qu'on n'est pas loin de la fin. Non, en vrai, on est à peu près à la moitié du jeu. Le jeu est très court. Hein. Mais là, c'est parce que, aussi, je connais le jeu... Les premières fois, même au tout début, moi, quand je faisais le mode facile, je mettais un peu de temps. Hein.
peut-être une heure à peu près à vraiment voir le bout. Mais si on connaît le jeu... Ah oui, là, j'aime bien l'intro de cette musique, ça fait un peu... Wesh, wesh, le gars de la cité, Anzi frère, du 93. Voilà. Ça fait un peu ça. Bon, le thème est bon, hein. Bon, ça me fait marrer. Peut-être une future musique dans l'Odyssée de Parn, hein, la saga MP3. Ah d'ailleurs, ouais, je sais plus si je vous ai parlé de ça. C'est vrai que, ouais, je fais pas trop de vidéos en ce moment, parce que... Déjà, ça me saoulait un peu de faire les montages de Super LoL Saga. Ça me prend vachement de temps. Et puis aussi, voilà, c'est au niveau de l'écriture de mes sagas MP3. Ça avance un petit peu. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Je me suis fail, là. Là, faut revenir, faut prendre le tremplin. Enfin, je me suis suicidé, c'est magnifique. Ça, faut le savoir aussi, hein. À la première fois, on se dit, ah mais qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ouais, fallait prendre le tremplin. Mais où est ce foutu tremplin? Je ne sais pas. Je n'ai point vu... Ah ben il est là. En fait, faut juste le choper. Hop. Et le garder. En restant appuyé sur le bouton. Le bouton B. Assez fourbe quand même. Les boules de neige qui popent comme ça. Enfin, les boules de neige... Ça peut être une sorte d'avalanche. Hop. C'est vrai que sur NES, des fois, fallait faire place à l'imagination. Hop. Allez, on peut un peu doser nos sauts. Hein. On peut faire des petits sauts, des grands sauts. C'est vrai que ça, je devrais le montrer au tout début, mais bon, c'est pas grave. Tout est préparé. Un peu. Attention. Hop, on peut choper ça. Étoile. Allez, ok. Ouais, c'est vrai que là, faut sauter à l'aveuglette. Ah, ça passe pas, mais... Ouais, c'est au pixel près, faut aller un peu plus devant. Et on, comme ça, on touche pas la boule. Mais je veux quand même finir ce niveau. C'est une question d'éthique personnelle. Oh là. Voilà, un peu de skill. Ah, je voulais aller trop vite. Vous voyez, on peut quand même revenir sur nos sauts, c'est quand même assez permissif à ce niveau-là. Vous voyez, le schtroumpf se manie très bien. Je crois qu'on dirige le schtroumpf costaud, il me semble. Hop. Bon, même s'il n'a pas le cœur sur le bras. Son tatouage, là. Bon, je pense. C'est une supposition. Ou alors, c'est le schtroumpf randonnée, je ne sais pas. Schtroumpf randonneur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le schtroumpf montagnard. Hop. Passe nickel. Ah, je vais aller schtroumpfer de la montagne. L'ancienne mine d'or. Ah, c'est pas mal aussi ça comme niveau. Hop. Un petit niveau en chariot. Je fais n'importe quoi. Musique assez stressante. Hop. Mais réussi, hein. Vraiment, les compositions, les thèmes. Ah, c'est presque du niveau d'un Castlevania, là. On est vraiment... Ah, c'est du lourd. En plus, les thèmes sont assez longs, hein. Les boucles sont assez longues. Pour de la NES, c'est impressionnant. On est à du quasiment une minute, hein. Voilà, on va finir ce niveau et on va se quitter. En tout cas, ce petit jeu, les Schtroumpfs, voilà, sur NES, est vraiment sympathique.
Alors je vous conseille de le faire au moins sur émulateur, hein, si vous voulez. Si vous êtes très jeu rétro, c'est quand même un jeu bien sympa, hein, si vous aimez bien les platformers 2D classiques. Vous ne serez point déçu. Voilà, ce boss-là, après il est assez chaud ce boss-là. Hop, en difficile celui-là. Ah, faut se lever tôt le matin. Je fais n'importe quoi. Voilà, je pense pas que je vais vous montrer le boss, hein, et puis je vais sûrement me viander. Parce qu'il y a une technique assez particulière pour l'avoir celui-là. Hop, déjà faut qu'il crache la boule de feu pour qu'elle disparaisse, celle du haut. Ou alors, on peut le toucher là. En fait, faut qu'il crache une boule de feu pour que en fait les flammes partent. C'est un peu spécial. Voilà, comme ça, bon, je me suis fait. Pas vraiment passer par là, mais bon, vous avez compris à peu près le principe. En facile, il est assez simple. En normal, il est chaud déjà, en normal. Et là, en difficile... faut manger du lion. Il faut manger du lion le matin. Donc sur ce, voilà. Un petit rétro-test, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que je vais dire? Ben, à l'avenir, voilà, je vais faire pas mal de rétro-tests. Principalement voilà, sur la petite Super NES Mini, qui me permet de faire de rétro-tests assez facilement, assez aisément. C'est même plus simple de capturer sur la Super NES Mini que sur PC, c'est un peu pénible. Donc voilà, ça ne sera pas le seul rétro-test de cette année, attention. Non, parce que c'est vrai que quand j'avais fait un rétro-test, je crois que c'était dernièrement sur le Sonic CD, après il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de rétro-test, hein, ça avait disparu. Et c'est vrai que niveau vidéo-test, il n'y avait pas grand-chose aussi. Mais je vais essayer de réparer ça. Et d'essayer de quand même pondre un petit peu de contenu pour cette année 2021. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose, hein, au début de cette année 2021. Sachant que voilà, je suis sur mes Super LoL Saga, que je veux absolument finir. Faut vraiment que je finalise Super LoL Saga saison 3. Parce que là... Ça, j'en peux plus. Voilà. L'encodage, le montage, le temps. Le temps que ça me prend, c'est... Bon, quand j'aurai fini la saison 3 Super LoL Saga, je serai vraiment content. Ce sera un soulagement. Mais en tout cas, voilà... Entre-temps, voilà, j'essaierai de vous faire des vidéo-tests ou des rétro-tests à droite à gauche. Ça me prend pas beaucoup de temps. Puis au moins, bah, ça me fait plaisir, et puis au moins, je vous propose un petit peu de contenu sur la chaîne Oliver Flav, qui est... Ces derniers temps, la chaîne a été un peu morte. Et sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.